Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet primordial pour votre sécurité, comment choisir et bien régler son casque. Et vous allez voir que là aussi, il y a de plus en plus de choix, de quoi s'y perdre. Mais c'est pas si difficile de s'y retrouver avec quelques bons conseils. Allez, c'est parti! On le dit jamais assez, même si le casque n'est pas toujours obligatoire, il est vivement recommandé de l'utiliser quelle que soit votre pratique à vélo. On le sait, nos rues, qu'elles soient urbaines ou de campagne, peuvent être parfois très dangereuses et c'est l'élément de sécurité indispensable étant donné que notre tête est souvent la partie de notre corps la plus fragile et donc celle à protéger. Donc évidemment, il est important de bien choisir un casque en fonction de sa pratique, que ce soit pour aller chercher le pain au quotidien ou pour pratiquer du cyclisme sur route ou en VTT, vous trouverez de tout et des casques adaptés. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous montrer des modèles qui correspondent à notre expertise avec Loïc, c'est-à-dire la route, mais sachez que par exemple pour le VTT, on va privilégier souvent une visière pour éviter les projections. Quant à la route, eh bien on va chercher plutôt la légèreté et, comme souvent, l'aérodynamisme. Eh bien, par exemple, aujourd'hui devant moi, on a deux modèles qui représentent les principales gammes de ce que l'on trouve pour la route, à savoir un modèle aéro et un modèle classique, plus léger donc, puisqu'il sera davantage ajouré. Quelles sont les différences entre ces deux modèles et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Eh bien, si vous avez la nécessité d'être dans un totale recherche de l'aérodynamisme, on va chercher un casque comme celui-ci qui sera le moins ajouré possible avec une recherche aérodynamique souvent testée en soufflerie, mais souvent il y a plus de matière et donc il sera légèrement plus lourd. On le conseillera également plutôt en hiver puisqu'on aura une recherche de protection maximale en cas de mauvais temps par exemple. Quant aux petits grimpeurs, petits gabarits qui sont des adeptes des vélos poids plumes, on vous conseillera davantage un modèle plus standard, plus classique, vous remarquez, qui est davantage ajouré et donc qui permettra une meilleure respiration également, en plus d'avoir un poids plus léger. Donc c'est un modèle qu'il est préférable d'utiliser en été, bien que l'un comme l'autre puisse être utilisé toute l'année. Autre point important, notamment pour un routier, vous me direz, pour vous ça peut être peu, mais pour nous c'est beaucoup, c'est la possibilité de venir y fixer ses lunettes. Et ça, c'est une chose que moi, je regarde en particulier, parce que ça peut sembler être un détail, mais au quotidien, quand il se met à tomber trois gouttes, vous avez envie d'enlever les lunettes, on ne sait jamais où les placer. Et bien, l'avantage de celui-ci notamment, c'est qu'il est facile de les caser sur l'avant du casque, et elles tiennent parfaitement. Il y a évidemment beaucoup de gammes de casques et beaucoup de prix. Comme d'habitude, on part d'une cinquantaine d'euros à plus de 300 euros pour les modèles haut de gamme. Vous allez me dire, mais pourquoi investir autant d'argent? Qu'est-ce qui technologiquement justifie cela? Eh bien, il y a un argument sécuritaire derrière. Comme vous le savez, un casque de vélo est principalement fait de polystyrène, et ça c'est valable pour tous les modèles. L'essentiel, c'est la coque interne en polystyrène. Mais une différence existe depuis quelques années dans les casques haut de gamme, et c'est le cas de ces deux présents ici, à savoir le HJC Furion et le Valeco. Il possède à l'intérieur une structure, une armature, par-dessus laquelle vient être moulé le polystyrène, qui est souvent en Kevlar d'ailleurs, et qui permet en fait d'anticiper les déformations du casque et donc donne un gage supplémentaire de sécurité, ce qui n'est pas le cas des modèles entrée de gamme. Une fois que vous avez trouvé le modèle adapté à votre pratique, eh bien, comme pour le choix d'un vélo, il va falloir trouver la bonne taille. Et là aussi, c'est indispensable, évidemment, pour que le casque soit efficace et éviter qu'il se balade sur votre tête, ou bien pire, que vous n'arriviez même pas à la rentrer à l'intérieur. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il vous faut mesurer votre tour de tête. 1 mètre, et vous pouvez le faire très facilement tout seul à la maison, ou vous faire aider évidemment si vous n'y arrivez pas. Le tour de tête, on le prend légèrement sur le haut du front en réalité, et vous faites le tour comme ceci. Hop, vous prenez la marque, et me concernant, on est à 56 cm. Donc 56 cm, cela correspond pour HJC à une taille médium, à savoir dans la fourchette 55-59 cm. En fonction du fabricant, cela peut varier. Évidemment, vous pouvez vérifier le guide des tailles, mais cela surtout ne vous empêchera pas de l'essayer avant de l'acheter. Il est toujours préférable. Si vous devez acheter sur internet, là encore, vérifiez bien qu'il s'agisse de matériel qui a été testé au préalable et sur lequel figure bien le marquage CE, qui est l'homologation que l'on retrouve en Europe pour certifier de la qualité du produit.
Une fois que vous avez votre casque à la bonne taille et pour le bon usage, il va évidemment falloir passer au réglage. Il est très important de savoir régler correctement son casque pour en faire bon usage. La première des choses, c'est évidemment définir le sens de celui-ci. Parce que un casque à l'envers, encore une fois, c'est pas très efficace. On en voit quand même rarement, mais ça peut arriver. Souvent, le design est quand même très équivoque. Évidemment, le côté le plus plongeant et aérodynamique et le côté face. Et à l'inverse, le côté le plus droit et abrupt sera le côté arrière de votre casque. Vous allez aussi retrouver très souvent des réglages sur l'arrière si vous avez un doute. Une fois le sens défini, on va passer au réglage en soi. Eh bien, souvent en partant de l'arrière, vous allez trouver un réglage dit occipital qui va vous permettre un réglage à la fois en largeur et en hauteur de votre casque, comme ceci sur le HJC par exemple. Bien souvent, il s'agit d'une molette qui va vous permettre de régler la largeur de celui-ci. Il ne faut pas que ce soit inconfortable, mais il ne faut pas non plus pouvoir bouger la tête à l'intérieur de celui-ci. Il existe d'autres systèmes, comme celui proposé notamment sur le Furion, qui est un système dit self-fit, où la molette est remplacée par un système quasi automatique, où en fait vous venez positionner directement votre réglage comme vous le souhaitez à l'arrière de votre tête. On va pouvoir passer au réglage de la lanière, cette fameuse lanière qui forcément, si elle est trop lâche, elle aussi va permettre au casque de pouvoir s'échapper facilement de votre tête. Une lanière, idéalement, il faut qu'elle soit la plus ajustée possible, encore une fois, sans être inconfortable. Vous le voyez ici, rien qui dépasse sous le menton, et évidemment pour le style, on évite de la faire pendre sous le menton, parce que sinon la brigade de Loïc Chétou va vous tomber dessus, et là c'est pas bon. Très souvent vous retrouverez d'ailleurs de quoi serrer contre cette lanière le petit morceau qui dépasse, de façon à ce que tout tienne en place, et vous ayez un style au top du top. Le deuxième réglage possible sur la jugulaire, c'est celui des oreilles. Et il est important que celle-ci arrive à passer dans le triangle prévu à cet effet. Donc s'il est trop haut, venez le repositionner juste en dessous de celle-ci. Comme ça, vous aurez une efficacité optimale. Enfin, parmi les modèles les plus haut de gamme, vous pouvez parfois avoir des réglages supplémentaires, ce qui est le cas par exemple du modèle Furion, dans lequel un système appelé SnapFit vous permet de régler 5 rangs à l'intérieur pour obtenir le confort maximum en fonction de la forme de votre tête. Enfin, important, pour augmenter la durée de vie de votre casque, il faut l'entretenir comme toute chose, le stocker dans un endroit sec, à l'abri des variations de température, puisque la chaleur notamment peut influencer sur le vieillissement prématuré du polystyrène. Évidemment, un casque, il faut le préserver des chocs, puisque un casque est à usage unique, et oui, ça signifie qu'il est fait pour recevoir un seul choc, après quoi il faudra le changer, et de façon générale, on vous conseille de changer vos casques tous les 3 ans, pour être sûr qu'ils vous offrent une sécurité maximale. Souvent, vous retrouverez à l'intérieur du casque des mousses qui sont déscratchables comme celle-ci. Vous pourrez également les passer en machine ou les laver à la main avec de l'eau et du savon. L'eau et le savon d'ailleurs, c'est très bien pour y passer un petit coup de temps en temps, enlever le sel des lanières. Et sinon, pour les puristes qui veulent avoir un casque toujours brillant, vous pouvez rajouter un petit peu de shine par-dessus et vous aurez un casque comme neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à choisir le bon casque pour vous et surtout à peaufiner les réglages. Faites-vous plaisir, matchez les couleurs et puis maintenant que vous avez le bon casque pour être en sécurité, il n'y a plus qu'à aller en profiter.